Je suis Marc Lipinski, je suis vice-président en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et donc je représente Jean-Paul Huchon qui est pris par des sujets qui ont trait au transport, sujet très important pour la région Île-de-France. Et quant à moi, je peux m'occuper comme ça des transports amoureux. Encore que j'ai eu beau chercher dans les programmes des quatre lundis qui vont venir, il va être peu question d'amour. J'ai l'impression. Enfin, à moins que ça soit subliminal. Et donc, il va plus être question de sexualité que d'amour. Mais c'est quand même un grand plaisir pour moi que d'ouvrir ces assises. En fait, depuis quelques années, la région Île-de-France soutient très activement la recherche en général, la recherche francilienne. Et pour nous, fédérer les différents acteurs, œuvrer en faveur de la transversalité, de l'interdisciplinarité constituent des fondements pour nos actions et en particulier pour ce qui est l'action principale que nous avons portée pendant cette mandature depuis 2004 à travers le dispositif de soutien à des réseaux qui interviennent sur ce que nous appelons des domaines d'intérêt majeur. Un domaine d'intérêt majeur dans le secteur de la recherche, c'est une thématique que nous avons jugée prioritaire et lorsque nous attribuons ce label de domaine d'intérêt majeur, DIM dans notre jargon, cela signifie que les acteurs franciliens de la recherche dans la thématique vont travailler ensemble, vont travailler en synergie sur cette thématique et avec des financements régionaux importants en investissement pour l'achat d'équipements, par exemple, qui est assez peu le cas dans les domaines de sciences humaines, mais aussi en fonctionnement et en particulier pour le financement d'allocations de recherche, recherche doctorale, recherche postdoctorale, organisation de colloques. En 2009, par exemple, pour illustrer, sur un budget global en faveur de la recherche de un peu plus de 150 millions, ce sont 67 millions d'euros qui ont été dédiés aux différents DIM. Il y en a 14 qui ont été labellisés par la région depuis 2004. Pour nous, labelliser un champ de recherche comme domaine d'intérêt majeur, ça traduit de véritables choix politiques qui reconnaissent des forces existantes, déjà connues ou moins connues dans la région. Les thématiques que nous avons labellisées en domaine d'intérêt majeur sont très diverses. Pour vous donner quelques exemples de cette variété, on a labellisé les thématiques toxicologie et environnement dans un grand domaine d'intérêt majeur axé sur la santé publique. On a labellisé les questions de territoire, d'agriculture, biologique en particulier, dans un domaine d'intérêt majeur qu'on peut regrouper sous le terme d'agrosciences. On s'intéresse aux nanosciences, on s'intéresse à la cancérologie, aux maladies neurodégénératives et au système nerveux en général. Et donc, il y en a comme ça 14 qui ont été labellisés. Mais parmi ces axes que nous soutenons fortement, figure donc l'axe porté par le DIM Femmes, Sexe et Genre, porté lui-même par l'Institut Émilie du Châtelet. L'Institut Émilie du Châtelet vise donc à fédérer et à faire connaître les recherches franciliennes dans ce vaste domaine qui, de notre point de vue, est beaucoup trop peu soutenu et reconnu au niveau national. En Île-de-France, nous avons l'ambition de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes et la création du DIM problématique du genre a constitué un temps fort de ce volontarisme. Pour faire des problématiques du genre un domaine d'intérêt majeur, labellisé par l'Assemblée plénière qui se réunit ici, il a fallu une certaine volonté et année après année, il faut aussi de la constance dans les efforts de conviction et vous vous en doutez bien. La semaine dernière, encore, dans un article du Figaro, en date du 25 septembre, je lisais la relation de la dénonciation par, je reprends le titre du Figaro, le parti présidentiel, de la gestion des régions par la gauche. Pour témoigner de certaines dépenses estimées comme contestables,
On citait le financement de travaux de recherche doctorale sur des recherches menées dans le champ historique de l'imaginaire sexuel au XIXe siècle. En remettant en question le bien fondé de travailler sur la nécrophilie à travers une thèse effectivement financée par l'Institut Émilie du Châtelet. Mais je pense que d'une certaine manière, c'est aussi contester l'ensemble des activités de l'Institut qui sont ici en question. Les résistances sont donc nombreuses sur un échiquier assez large. Ces résistances face à cette thématique de recherche et face à la question de l'égalité femmes-hommes en général. Il me semble qu'il faut un certain volontarisme et dans l'action politique pour tenter, jour après jour, de venir à bout de la multiplicité de ces résistances. L'observation du monde politique en témoigne. À invoquer constamment les évolutions lentes mais positives en matière de parité, les générations passent, mais les problèmes demeurent. Il faut donc agir d'une façon claire et forte, bien sûr à l'échelle de la région Île-de-France, où nous ne pouvons pas édicter des textes de portée législative, mais aussi dans tous les autres cercles, hein, qu'ils soient institutionnels ou pas. D'une certaine manière, quand on s'intéresse à toutes ces questions, on s'intéresse à la diversité des pratiques, des identités sexuelles, du droit à la parentalité, au mariage, et là comme ailleurs, nous tentons de faire preuve d'imagination. Et en ce sens, nous avons aidé à la gestation et l'accouchement du DIM et de l'Institut Émilie du Châtelet. Il y a à peine un peu plus d'un an, c'était en juin 2008, j'étais déjà ici devant vous, peut-être pas vous, peut-être d'autres, à la même place pour ouvrir les premières assises de l'Institut Émilie du Châtelet. En effet, cet hémicycle a accueilli l'an dernier, 5 lundis de suite, un cycle de conférences sur les résistances à l'égalité homme-femme ou femme-homme. Ces débats furent très riches et si vous n'en avez pas pris connaissance, je vous invite vraiment à consulter les actes de ces assises qui ne sont pas écrits, mais qui sont en ligne sur le site internet de l'Institut Émilie du Châtelet, www.iec-assises.fr. J'ai fait un peu de publicité, et aujourd'hui, je suis à la même place pour la deuxième année, pour le cycle de conférences sur le thème « Égalité des sexes et sexualité ». Pour être complètement sincère, au plaisir d'être là avec vous, s'ajoute une certaine fierté, car parler d'égalité entre les sexes, mais aussi de diversité des pratiques et des identités, me paraît essentiel aujourd'hui, dans une société française qui manifeste tous les jours des sentiments, disons, contradictoires et contrastés vis-à-vis de l'autre, l'autre avec un A majuscule. En matière de sexualité, comme pour les autres grands sujets de société, nous avons besoin de débattre, nous avons besoin de penser. Nous avons le besoin pressant d'avancer. Permettre donc de communiquer sur l'égalité entre les sexes, mais aussi agir directement en ce sens. C'est en cela que j'éprouve cette fierté de contribuer en tant que vice-président du Conseil régional, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de contribuer donc à l'évolution des mentalités. L'accueil de ces assises dans notre hémicycle constitue, je crois, un signe fort de cet engagement régional en faveur de l'égalité femmes-hommes et des recherches qui contribuent à la faire avancer, j'en suis persuadé. Bien sûr, la question de l'égalité hommes-femmes ne saurait être réduite à la création de l'Institut Émilie du Châtelet. C'est bien évidemment l'ensemble des politiques de ce Conseil régional, de la nation en général, qu'il convient également d'interroger. Les champs du possible reste encore vaste à explorer. Quand on parle d'égalité, de diversité, ce sera aussi une des tâches du Centre de ressources pour l'égalité femmes-hommes que la région Île-de-France vient de créer, dont l'ouverture est proche. Je suis persuadé, Madame la Présidente, chers amis, que les assises 2009 de l'IEC permettront à cet égard d'avancer. Le programme est prometteur et nous attendons, comme toujours,
beaucoup de vos travaux et des débats qui ne manqueront pas d'alimenter. Pour conclure, je souhaite à nouveau adresser mes félicitations à l'ensemble des actrices et des acteurs qui ont contribué à organiser ces assises et auxquelles je souhaite tout le succès qu'elles méritent. Je saisis l'occasion qui m'est donnée d'ouvrir cet après-midi de travail pour exprimer au nom de toutes et de tous mes collègues des différentes instances de l'IEC, le comité de direction, le comité scientifique, le conseil d'orientation, et au nom de celui de des nombreux allocataires et organisateurs de manifestations publiques qui bénéficient de votre appui, notre très profonde et très sincère reconnaissance à l'égard du conseil régional d'Île-de-France qui, sur votre recommandation, nous ne l'oublions pas, a été à l'origine de la création de ce premier institut français consacré à la diffusion et à la valorisation des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Convaincue de la chance historique qui nous est offerte de pouvoir fédérer des savoirs et des actions dont l'importance scientifique et sociétale est considérable, nous tenons à vous dire le plaisir que nous avons à faire valoir le rôle politique exemplaire que joue notre région dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, en permettant la reconnaissance d'un domaine d'études et d'action essentiel à la démocratie. Pourquoi ce rapprochement avec une instance régionale, nous interroge-t-on ? Bien, c'est qu'en matière d'innovation, de lutte contre les idées reçues, la région Île-de-France a été la première capable de réagir et de bousculer les fiefs disciplinaires de l'université qui se satisfont trop souvent, nous le savons, d'une adhésion paresseuse à un faux universalisme. Pourtant, si l'Institut Émilie du Châtelet n'a été créé que bien après d'autres établissements ailleurs dans le monde consacrés aux études sur le genre, il est cependant le premier à avoir pensé à articuler de façon structurelle les recherches scientifiques avec les actions de ceux et de celles qui, dans la société civile, défendent les idées de parité et d'égalité entre femmes et hommes. C'est la raison pour laquelle notre organigramme comprend, à côté du comité de direction, un comité scientifique composé de spécialistes du genre, issus de presque toutes les disciplines présentes dans les grands établissements de recherche de la région francilienne et qui, de ce point de vue, peuvent constituer des personnes ressources pour les élus de la région Île-de-France, et aussi, à côté de ce conseil de direction et de ce conseil scientifique, un conseil d'orientation formé de membres qui, à partir de leur lieu d'activité professionnelle, politiques ou associatifs, se font l'écho de la réalité du terrain et enrichissent par leurs observations concrètes et leurs analyses les recherches scientifiques sur les femmes, le sexe et le genre. Comme celle de l'année dernière, les assises qui s'ouvrent aujourd'hui se veulent donc le reflet de cette vocation double de l'IEC, qui est de faciliter, d'une part, les relations et la synergie entre différents chercheurs et chercheuses, et d'autre part, de permettre de faire entendre et de féconder les expériences et les actions de ceux qui ressentent la nécessité d'un lien entre ce nouveau champ d'études et la réalité de la société. Étudier, chercher est fondamental. Dans le domaine qui nous concerne plus que dans tout autre, un pont est nécessaire entre la recherche et ses applications concrètes. Et puisque ce domaine est encore si peu inscrit dans les institutions de notre pays, il faut s'attacher à transmettre aux plus jeunes les pistes et les outils que nous avons élaborés. On sait que depuis des siècles, la société s'est révélée très inégale, très partiale vis-à-vis des femmes. Mais on sait également qu'on ne peut abolir d'un coup de baguette magique l'inégalité structurelle entre les femmes et les hommes, et qu'il s'agit, dans une société qui proclame sa modernité démocratique et rationnelle, de trouver des moyens de faire céder les réticences, les verrous, domaine par domaine. Je ne vais pas m'arrêter davantage sur la structure et le fonctionnement de l'IEC. Vous avez en effet pu trouver dans les pochettes
qui vous ont été remises tout à l'heure, une plaquette nouvellement réalisée qui dit tout, ou presque tout, sur le sujet, et à laquelle ont été joints les programmes passés et à venir des manifestations qui, chaque mois, se tiennent au Jardin des Plantes, dans l'amphithéâtre de paléontologie et dans l'auditorium de la Grande Galerie. À cet égard, je profite que je suis à la tribune pour indiquer qu'il y a dans le programme des samedis après-midi, des 40 ans de recherche sur les hommes et les femmes, il y a une erreur. Pour le samedi 17 octobre, il est inscrit non défini, alors qu'il y a à présent Nicole Pellegrin, qui doit plancher le samedi 17 octobre. Donc, je vous prie d'en tenir compte. Je voudrais plutôt vous dire un mot des initiatives nouvelles de l'IEC destinées à élargir la diffusion de ses activités ainsi qu'à en rendre l'accès pérenne. Tout d'abord, et cela nous intéresse ici au premier chef, sachez que vous pourrez trouver en ligne la captation audiovisuelle intégrale des assises de cette année, tout comme c'est déjà le cas, monsieur le vice-président vous en a parlé, depuis le mois de juillet, pour les assises précédentes, dont le titre était, je vous le rappelle, « Résistance à l'égalité entre les femmes et les hommes ». Je vous répète moi aussi l'adresse www.iec-assises.fr. L'enregistrement des interventions et des débats sur les résistances à l'inégalité dans le pouvoir politique et économique, dans le travail et l'emploi, le système éducatif, le domaine du corps, du sport et des identités sexuées, ainsi que dans le domaine intellectuel, nous a semblé constituer un outil pédagogique unique, utile à tous les niveaux d'enseignement et de formation. Les organisateurs et organisatrices de ces assises les ayant en effet voulu à la fois exigeants quant à leur qualité scientifique et simple dans leur présentation. L'autre nouveauté audiovisuelle est la diffusion sur notre site et en DVD archivé et commercialisé par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir de toutes les conférences du samedi après-midi où ont été conviées sur le thème 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, quelques-unes des principales personnalités scientifiques qui ont marqué cette période en histoire, anthropologie, médecine, littérature, psychanalyse, etc. Là aussi, nous avons cherché à établir des documents particulièrement précieux pour la mémoire du féminisme et accessibles à tous. Sur un support plus traditionnel, le papier, deux traductions d'anglais en français sont en cours de publication aux éditions La Découverte dans le cadre de la bibliothèque de l'Institut Émilie du Châtelet que nous avons créée. Ces ouvrages ont été sélectionnés par le comité scientifique et portent l'un sur les sciences politiques, l'autre sur la biologie et le sexe. Par ailleurs, le comité d'orientation de l'IEC est en train de finaliser un projet de café féministe dont les premières happy hours, si je peux dire, devraient voir le jour au tout début de 2010. Ce café féministe, qui pourrait par la suite trouver sa place au sein du centre de ressources dont vous parliez, monsieur le vice-président, centre de ressources consacré à l'égalité homme-femme que la région Île-de-France vient de créer, sera, nous l'espérons, un lieu propice pour nous rencontrer, pour nous parler et pour diffuser davantage encore les idées de l'Institut Émilie du Châtelet sur l'égalité femme-homme. Dernier axe de développement, nous avons souhaité renforcer cette année les contacts déjà établis avec les centres de recherche sur le genre dans d'autres pays. Les conférences du samedi ont réservé une place accrue à des chercheuses américaines, anglaises ou italiennes. L'Institut Émilie du Châtelet, par le biais de ses membres, a été invité à présenter son action à Cambridge, au University Center for Gender Studies, ainsi qu'au Graduate Center de CUNY à New York et au Gender Studies de Penn State University. Tandis que les contacts déjà établis se prolongent avec différents pays d'Amérique latine. Avant de céder la place, je veux rendre hommage au travail du jury du comité scientifique qui sélectionne les nombreuses demandes d'allocation
en provenance des doctorants, doctorantes, post-doctorants, post-doctorants de toutes les disciplines qui se sont fixés pour tâche de développer les recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Et je voudrais remercier aussi le secrétariat de l'Institut Émilie du Châtelet, composé d'Ayoko Afanou et de Sandrine Lely, que vous avez vue à l'accueil, qui sont particulièrement éprouvées actuellement par le déménagement de nos bureaux qui quittent le Musée de l'Homme pour s'installer au Jardin des Plantes. Voilà, comme vous avez pu le constater, la philosophie de ces deuxièmes assises est dans le droit fil de celle de l'année dernière et s'attaque maintenant à la résistance entre l'égalité du point de vue des sexes et des sexualités. Voilà. Je vais donc laisser la parole à Maïté Albagli et à Mariette Sino, les coordinatrices de cette première journée consacrée aux droits sexuels et reproductifs, mais non sans les remercier chaleureusement, tout comme bien sûr les responsables des journées à venir, que vous aurez plaisir d'entendre les trois prochains lundis. Pour le moment, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi de travail. Permettez-moi de garder le micro encore quelques instants, juste pour vous présenter les deux organisatrices, mais je suis organisée. Donc, Maïté Albagli, qui est économiste. Entre 1985 et 1995, elle a été chargée du service des droits de l'homme à la CIMAD et responsable du service national d'écoute à la Fédération nationale Solidarité Femmes. Jusqu'en 2008, elle était également secrétaire générale du mouvement français pour le planning familial. Elle est actuellement consultante sur la problématique du genre auprès de l'Union européenne, de la FAO et du CIRNAM, ministère des droits des femmes et de l'égalité au Chili. Je présente aussi Mariette, dans la foulée, oui. Mariette Sino, donc, qui est politologue. Elle est directrice de recherche à Sciences Po dans le centre de recherche du CEVIPOF CNRS. Ses travaux portent principalement sur les rapports que les femmes et les hommes entretiennent à la politique et au pouvoir. Elle travaille aussi sur le vote et les comportements politiques, les élites, la parité en politique, les modes de garde des jeunes enfants. Son dernier ouvrage, paru en 2008 aux éditions de l'Aube, s'intitule « La force du nombre ». Femmes et démocratie présidentielle ».